Les forces de sécurité sri-lankaises intensifient leurs efforts pour retrouver les extrémistes islamiques. Près d'une semaine après les attentats à la bombe qui ont endeuillé le pays lors du dimanche de Pâques, vendredi, les troupes ont tué 8 membres présumés du groupe État islamique dans la région est du pays. 7 civils ont également été tués dans les échanges de tirs. Un peu plus tôt, l'armée a déclaré avoir récupéré des drapeaux, de la littérature et des objets associés appartenant au groupe État islamique dans une maison située également dans l'Est. C'est apparemment le lieu où les terroristes ont enregistré leurs vidéos, où ils ont prêté allégeance à Daesh avant de procéder aux attaques à la bombe. Dans le même temps, des réfugiés musulmans se sont déplacés vers des endroits plus sûrs, sur fond d'hostilité des communautés chrétiennes et d'autres habitants du pays.